C'est en fait, laissez-vous faire manger vos brebis, vous inquiétez pas, on va leur mettre un médicament, elles seront bien plus tranquilles. Comme ça, les voisines ne seront pas apeurées quand il y en a une qui se fera dévorer. On demande des solutions concrètes depuis longtemps, hein. On demande à faire baisser la prédation, ça c'est un artifice de plus qui est là pour faire passer la pilule. Aujourd'hui, on nous demande de réduire notamment de 50% l'utilisation de produits pharmaceutiques, hein, en fait. Hein. Et là, on va mettre sur des milliers de brebis des hormones dont on ne connaît pas très bien la source. On ne sait pas non plus l'interaction que ça peut avoir avec la faune sauvage. Mais là, comme c'est pour, entre guillemets, la préservation du loup, tout est permis. Aujourd'hui, au vu de la prédation qu'on a, mais que ce soit en zone cœur-parc ou même hors cœur-parc, hein, on est sur un taux d'accroissement encore sur le département de 20% cette année. On demande des solutions concrètes, et pour nous, les solutions concrètes, ça serait de pouvoir prélever un peu plus de loups, et notamment d'avoir accès aux tirs de défense en zone cœur-parc. Et aujourd'hui, l'artifice des hormones sur les brebis nous semble une farce. Thank you.